1647, déporté, sorti République dominicaine. Ok. Les Américains sont mélangés lui-même entre États-Unis, Bahamas, Cuba. On a dit que l'actualité a suivi dans le pays d'Haïti, c'est peut-être Santa Carelli. Il y a un grand point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est visite et un gros responsable, un gros dignitaire américain qui a pris en Haïti jeudi à même. C'est Madame Usra Zeya. Il y a un cap visite Haïti. Alors, objectif visite là, probablement, c'est pour le rencontrer aussi pour voir dans qui mesure les États-Unis. Dans les États-Unis, on a fait pour voir dans qui mesure capable résoudre la crise politique. Là, on a rappelé que d'Haïti était reçu dernièrement et une délégation qui lui-même t'a parlé surtout de nécessité pour te fondre deux accords, en fait, trois accords qui gagnent ensemble pour te fondre, faire le fond seul. Et dans le week-end passé, on a l'autre accord qui vient encore. Ce sont l'autre accord que ancien député et Vasco Tene là présenté tout. Bon, à cause ça, comme les pattes dans le calendrier, mais la presse parlait de lui, mais pas même gens que nous n'avons pas parlé, la presse a parlé de trois accords qui viennent déjà, on n'a pas parlé de peine. Peine, c'est l'accord parlement, c'est résolution parlement, sénat, FA, gain tout, accord primature là, et puis gain accord et Montana. Et jusqu'à présent, il n'y a pas dit, il y a une discussion, acteur n'est pas capable d'entendre. Aussi, on entend mieux, il était certainement attendre Madame Ezra arriver, peut-être plus capable de faire une déclaration conjointe, et certainement d'accord que je n'en bagaille. Mais il y a deux accords qui divisent, surtout que l'accord Montana avec l'accord et primature là, il est divisé sur un bail seulement. C'est ça, par exemple, comment c'est. Pouvoir exécutif là, il y a un qui d'accord au pouvoir exécutif monocéphale et il y a un autre qui d'accord son pouvoir exécutif bicéphale. Alors que pour accord Montana, il y a un accord bicéphale par là, c'est dans l'élection pour candidat à ressortir. C'est ni premier ministre, là, ni président provisoire, tout est fait pour sortir dans l'élection qui a fait entre eux en dedans. Que l'élection, il y a un candidature et il y a voté pour lui. Donc, en attendant, et pour le ministère Henri lui-même, l'avancé lui-même avec le programme PAL, il parlait de nécessité que le PAL mette sous pied très bientôt et un conseil électoral provisoire. D'ailleurs, il y a les lettres pour invitation et acteurs qui concernés pour envoyer au président dans le conseil électoral. La lettre est déjà sortie. Déjà. Et tout l'a parlé tout de, non seulement du conseil électoral provisoire, tout, mais l'a parlé de la formation au gouvernement. Qui était de sortir déjà, mais qui pourrait être sorti, personne ne va connaître pour qui raison. En ce temps, le ministre étranger là, on a parlé docteur Claude Joseph, il n'est pas en Haïti, il est non voyage, non tourné dans l'autre pays, côté la participer, dans Oumblé, en fait, il représente Haïti dans cérémonie ça. Et bientôt. Et bon, c'est définitivement l'ambassadeur américain en Haïti et Michel Sisson, mission finie qu'on y a là. Donc, on y a en fait, en attendant que bon, le bail qui fait, donc, il y a un chargé d'affaires qui est censé exécuter les affaires courantes en attendant si on a leur décision, leur nomination, ou bien en place en cap fait, en attendant que ça fait. Et puis, sur les nouvelles qui baillent, il parlait de. Et il y a un peu de. Sorti 19 septembre, Haïti reçoit près de 10 000, environ 10 000 réfugiés, monde qui déportés, sortis dans différents pays. Dans différents pays, depuis Saint-Domingue, depuis États-Unis, Bahamas, Cuba, et avec l'autre île encore qui est censé. Tout le monde a voué maintenant en Haïti. Bon, je dis que Haïti pas qu'à Kembe Kompa, mais. Haïti, vous recevez les gens, vous venez, vous avez des gens qui vont aller, calmer le pays, bon, à qui fin nous ne connaissons. Et au Mexique, il y a déjà fait tout pour autorités mexicaines autour, ils ont déjà déporté deux quantités, deux groupes qui sont partis déjà, mais il y a tout le monde qui fait demande d'asile et qui sont censés attendre que l'autorité mexicaine ait les documents nécessaires. Il y a tout un groupe haïtien qui est dans la zone. Et qui dans zone
à Cunha. Et bien, c'est ça, tout le même tour, il attend tout, peut-être espoir que l'autorité mexicaine a fini par le papier pour être capable au moins commencer à chercher travail. Mais eux-mêmes, ils ont dit que ils ont pas aucune intention pour eux, même si destination finale c'est les États-Unis, mais ils n'ont pas aucune intention. Les États-Unis avec Mexique, tout qui allait parler de l'ambassadeur et États-Unis au Mexique, M. Ken Salazar, et bien, il me dit que toute solution sur le problème migratoire et migratoire en Haïti, et bien, solution ça, c'est deux États-Unis avec Mexique, deux pays qui mettent ensemble pour résoudre le problème ça, et ils doivent résoudre le problème ça à la base. Un des garçons qui fait depuis le week-end, non, en raison de. Et après, on visite que le secrétaire d'État américain et Anthony Blinken a fait au Mexique, côté de l'encontre avec le président mexicain et Obrador. Et ils ont discuté tout, et même ils ont parlé de problèmes de, problème de sécurité tout entre deux pays. Donc, ça, c'est une discussion qui est faite entre deux pays, entre États-Unis avec le secrétaire d'État. Tout lui dit que Kounia là, on a parlé de l'ambassadeur Alien, lui dit que Kounia. Toute solution qui devient ce problème migratoire là, et il dit son problème qui pas seulement problème qui était problème qui posé au Mexique avec les États-Unis, mais son problème il dit qui est beaucoup plus régional, qui est même dans l'hémisphère occidental là, parce que tout immigrant qui a rentré, qui a cherché à rentrer aux États-Unis sans document légal, il est sorti en Amérique du Sud, il a traversé l'Amérique centrale là, et entré au Mexique, et c'est là peut-être là où il est. Pour rentrer aux États-Unis. Donc, l'autorité américaine, bon, côté par eux, il y a tant de façons que l'autorité mexicaine est capable de travailler pour aider à bloquer ou bien empêcher que les immigrants arrivent sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique, surtout dans la zone Tijuana et dans la zone Del Rio, Texas, et empêcher que les gens soient bloqués, empêcher de venir. Bon, c'est le travail sur la question ça a fait. Et puis nous te parlons de accord là tout accord qui gagne tout en époque au fin de sous ça et problème sécurité a toujours qui continue à avoir problème et en Haïti toujours monsieur Negame continue à fumer la terre toujours opération kidnappage kidnapping nous continue à dérouler toujours et puis gagne un groupe et un groupe armé qui n'en il y a des bons contacts au diamant entre la police avec un groupe armé qui est létalement dé et alors il y a la caille un ancien député Charles Sancy qui ont business on bah sable côté la bande sable laver sable nettoyer la vente ben gèle monsieur Talé a demandé il a demandé l'argent alors là il est là il monté il rencontré avec bon Jogandio c'est ça il est monté sur marche fait mais gagne chance de tir et gagne parmi monsieur Negameo gen nan yo qui tombé tout dans circonstance dans tout non voilà donc c'est comme ça monsieur Dou gen moun ki di que monsieur Amesayo yo gen des côté business nan business carrément dit mais business nan faut bon temps comme chaque mois sur business nan continue fonctionner gen tout réel dans l'école tout qu'on y a tout mandé l'école faut bon temps comme chaque mois tout sur business nan fonctionner tout donc monsieur cherche tous les moyens pour rentrer l'argent pour capable fonctionner. Et puis, route Carrefour a toujours un problème, toujours un problème, toujours. Je dis à toujours, nous apprenons que tu as gagné et des autres, quand même, monsieur, bloqué route là et ils sont censés camper, à fouiller, machine qui a passé, ou bien piéton qui a passé, etc. Donc, ça veut rendre que le pays antigen et grand pile de difficultés. Et puis, il y a un bel sujet qui parlait de entreprise qui a habitué fonctionner le soir. Yo. Tant que club, nightclub, et il n'y a pas qu'à fonctionner encore parce que le monde peut plus sortir le soir, même pour aller manger dans un restaurant, même pour aller en bar, pour un verre. Et le monde en dit qu'il peut aller parce qu'il ne peut pas aller les laps tourner pour mettre sur lui, pour le monde prendre lui. Donc il va y tout pendant que l'emballage pour un désordre éclater tout dans l'emballage. Donc hier c'était gros et tout dans le coup d'appel. Un coup d'appel pour le président, côté que tu as ancien député Anel Belize et consort avec qui est en prison. Donc tu as un bail qui a fait pour eux. Donc le juge a décidé de renvoyer ces ensemble à la huitaine donc pour lundi prochain. Et bon, mon pas les supporters. Et supporters, ancien député a pas trop content ça qui passé à Dr. On cafouillage et la poste où j'ai utilisé balle tirer pour y aller à la prison, c'est pour y aller avec eux. Mais c'est un bon moment
très très difficile pour avocat, qui est en dedans, n'a pas les deux. Et parce que personne ne peut pas contacter qui a passé, mais quand même, il n'y a pas rapporté quelqu'un blessé, mais au moins c'est un mauvais moment. En fait, en plus, on attend ça qui va passer encore parce que lundi prévenu, donc accusé à un pays de. Ancien député Anel Bézier, deux retours intervenants encore pour continuer la séance qui a fait pour lui, pour être tendu tout bas avant pour qu'on ait encore. S'il y a ballon libéré, s'il y a libéré sous caution, bien provisoire, bien qui s'est fait, c'est juste là qui décision finale, mais juste là fait. Mais selon ça, que maintenant de Michel te dit dans un tweet qu'il te fait, il te parlait de. Et lui même ça, il te voulait, et l'une des raisons fait signer un accord. Et en septembre, donc accord primature là, c'est parce que là-dedans, il était demandé à ce que j'étais libéré et M. Sahur, que je considère comme des prisonniers politiques. Et puis, sous l'éducation, je dis à tout, gagner lancement cantine scolaire là, qu'a fait jeudi à, et cela a fait le NIP. Et il y a Mme Guillaume de la Tour qui a expliqué pour qui raison il n'y a pas de lancer déjà. Mais il parle tout des difficultés que vous avez déjà gagné pour consommation, parce que vous avez utilisé, acheté, manger local pour bailler et écolier. Mais il dit tout, vous connaissez un peu les difficultés pour les jeunes, pour les locales, surtout dans ces départements qui étaient affectés, que tant de théâtre était affecté dernièrement. Là. Mais quand même, il y a un travail qui a fait. Et sous question ça. Alors, résumé, on a dit une plus grosse nouvelle qui t'a gagné pour aujourd'hui à pour nous-mêmes, c'est surtout visite et sous ce que les États américains soient fait droit de l'homme, sécurité, qui a visité Madame Ezra, et c'est ça, Madame Usra Seya, qui a visité Haïti, et qui a été fait des rencontres avec les dirigeants. Mais son rencontre Cap Mendel, son tourné Cap Mendel, non seulement en Haïti, mais il est pour aller dans Panama tout. Nous connaissons Panama tout actuellement, c'est une côté immigrant haïtien qui se situe soit au Brésil ou au Chili. C'est un point de transit que yo fait pour être capable. Et les fins de traverser et forêt d'Ariane, non, son forêt qui brésille peut être. Et 8000 km², donc son gros traversé pour l'offre traversé li. Donc sur Gonti ville dans Panama, c'est là que tout le monde descend, c'est là tout le monde les arrive là pour là. Donc peut-être encore un gain pour l'ouest surtout avec l'immigration, parce que l'autorité américaine était quoi, et pour l'immigration résoudre en Haïti, c'est eux, mais faut résoudre dans l'autre côté, tout côté immigrant à utiliser ou bien territoire immigrant à utiliser avant d'arriver et au Mexique pour y entrer aux États-Unis. Et puis, on a parlé d'un petit sport, et très rapidement, gagner l'Allemagne, c'est le premier pays sur le continent européen qui a un ticket. Ah, il y a un ticket pour participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a deux autres pays sur le continent africain, tout qui sont tout. C'est à Sénégal avec Maroc, tout le même tout, qui presque, si vous pas déjà même, les étiquettes, mais n'attendent tout, mais dans le jour qui vient, dans la prochaine journée, très certainement, nous parlons de plus de pays qui sont censés boucler les étiquettes pour la phase finale Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, c'est ça que nous pour nous aujourd'hui. Un petit moment, ça nous passe ensemble. Nous avons continué sur l'actualité pour nous et été branchés sur nous pour live, en direct d'abord.